Let's see those. Maintenant, diamant. Let's see those. Donc, si tu as un bon montage de sublimer le papier qui est remonté par des fibres, donc il y a des fibres maintenant qui s'installent, qui sont en énergie, et il y a une désorganisation de l'architecture sur le plan physiologique. Bien organisé, la veine, les espaces, le gravier, tout ça, c'est désorganisé maintenant. Le foie perd ses fonctions, et un perd ses attributions des fonctions de transport. Et là, bien sûr, c'est chronique, là, c'est pas aigu. C'est quelque chose de chronique, c'est pas une défaillance en épouse. C'est sur des années qu'il y aura une installation. Une cirrhose qui s'installe post-fibrose, post-phénomène de l'emmagnement fibrotique. Donc, la chronique, vraiment, non, et moins d'une insuffisance de synthèse. Je n'aurais pas une échelle de format. Toutes les protéines de synthèse étaient les protéines de coagulation, le SCAT, mais rien qu'on a vu parce que c'est le premier paramètre qui est ressenti. Par exemple, la synthèse de l'hémoglobine, il va tenir très fort. La synthèse de l'urine va tenir. Donc, moi je connais le stade de la cirrhose, ou plutôt un stade composé, on découvre des gens en stade de cirrhose. Malgré les cirrhotiques, on se débloque. C'est là où il va développer la décompensation à l'acide. Pour moi, tiens, où est-ce que les amis ont envoyé une pêche à l'époque? Où est-ce que c'est la cirrhose pour que l'on c'est qu'il y a une cirrhose des années, il y a une cirrhose. Non diagnostiquée, il est bien content. Donc, le bien par hasard, un petit bébé, ou à l'état compensé, fille, il est là de l'indaille. On va te dire quoi? Pourquoi le bébé n'est pas? Il n'a pas de protéine urine. Pourquoi? Il n'a pas de syndrome inflammatoire chronique. Il n'y a pas une maladie sous-jacente. Bien, il y a une maladie. Qui dit là où j'ai annulé de l'ammoniaque? L'ammoniaque, c'est un cas. Donc l'ammoniaque, c'est le stade terminal. La sublimine qui va baisser, le stade terminal. Le cholestérol qui va baisser, le stade terminal. Le glucose qui diminue, il faut des hypoglycémies au stade terminal. Donc les défaillances, et donc, ils s'ajoutent un par un lorsque la cirrhose s'aggrave. Mais le premier stigmate ouvert envoie l'ennemie et auquel on peut additionner le TP. Mais je vous prie, vous êtes un joueur, bienvenue d'abord de l'âme, on s'arrête, on vient, on s'arrête un peu. Quel est quelque chose qui est constant dans la cirrhose? C'est le GGA qui monte. On va, le foie, lorsqu'il est défaillant, il ne va pas donc tricher là, sur le GGA. Il n'arrive plus à les éliminer efficacement. Donc, vous aurez ce bloc bêta-gamma. Vous pensez, oui, il n'a aucun signe. Vraiment, il n'y a aucun signe. La pommade, la palissade sauvagée, ma vie, c'est un peu la démise, rien. Donc, l'augmentation de la bilirubine totale, plus ou moins mixte, peut-être une augmentation à l'hyper de bilirubine et FIV, mixte, souvent 50-50, parce qu'on capte moins, on conjure et on n'arrive pas à éliminer vu les dommages au niveau des canalités biliaires. Il n'y a pas souvent de cytolyse, plus ou moins, ça peut monter. Ce n'est pas constant, la cytolyse, c'est pas dit. Hein? Et le TP qui diminue. En biologie, c'est très un score de challenge. Le score de cirrhose, il y a la biologie qui intervient par trois paramètres. L'alcumine, l'alcumine totale et le TP dans le score. Le score est stratifié donc, en trois stades, le site de un niveau, le site par le de un niveau. Il y aura donc de comporter une numérotation. Trois niveaux d'acide, trois niveaux de transcéphalopathie. Et l'albumine qui chute, l'albumine qui le début. Donc, l'albumine pour 35, donc c'est le maximum, le minimum de la note. Une zinotaure est une note, une tombe est une note. Donc, une albumine à 34, pour 34, 45, pour 51. TP, TP, pour 50, à calme, scope, ou une scoriette, à calme, la scoriette, à calme, c'est grave. Va être le droit de pair avec donc, la gravité. Que ce soit gravité d'acide, on s'est pas loin. Voilà la diminution de la fumée, la montée de la fumée, on a la diminution du TP. Donc, on le voit, donc trois paramètres pour, qui interviennent pour évaluer donc, le degré de la cirrhose. Le classement des pathos cellulaires, donc vous avez essentiellement la forme de protéines. Mais l'hypoprotéine qui manque, secondaire qui va être à la régénération et une mitose. L'hépatocyte devient un peu donc, anormal à exprimer un gène de taille, qui est la phagocytoprotéine. Et c'est ça qui fait qu'on peut. Il faut
faut guider donc la montée de la femme plutôt par la carcinogenèse, donc l'installation des carcinomes et la possibilité. La sensibilité plus ou moins. Pourquoi? Parce que le taux de TAC carcinome. Donc, on est à des coups, on est à. Moi, je suis déjà chirurgien. C'est pour ça que la femme est venue au bon service. On est d'un petit carcinome, donc vraiment, c'est pas évident. On mouche les aides qui est un module de régénération. On est mal les images pour le couvercle. On mouche. Nodule, vous pouvez le prendre comme un carcinome vert, si vous voulez. Oui, le problème, c'est à interpréter la carte autour, donc en fonction des images du couvercle. Comme un autre paramètre, c'est les essais peut-être la décarboxyprotrombine et l'appareil fonctionnaire. La protrombine peut simuler décarboxylation ou elle est un signe de carcinogenèse. L'alpha-photo monte dans la thyrosinémie qui prend. Thyrosinémie, maladie métabolique. Lorsque la thyrosinémie, il y a une pulsion vers une cirrhose à cause de les succès le défaut du catabolisme de la thyrosine, la photo vraiment très péjorative. Il n'est pas spécifique. Mais on te dit, même les chroniques impériales, même si tu le surveilles, si la photo monte, faites attention, ça peut être un signe de dégénérescence. C'est alors, je m'en ai un. Monsieur, il n'a pas. Vous n'avez pas vu une idée, oui. Photo, oui. Elle compte seulement si j'ai un pathologie. Elle a d'autres pathologies. Elle a dit thyrosinémie. Oui, mais c'est une cirrhose. Thyrosinémie, exemple, c'est un trouble surcharge métabolique. Une cirrhose, on sait. Donc on fait souvent le diagnostic. Vous n'avez pas fait le diagnostic. Très très augmenté. Les chiffres vraiment en vérifier. L'évaluation fonctionnelle. Donc l'évaluation fonctionnelle du foie, le fonctionnement du foie. Donc cette évaluation fonctionnelle, on peut les évaluer par les tests de l'USP, ou d'envoyer comme un test diablo, surtout lorsqu'on fait des néphropathies, on peut voir un peu. Donc en fait ici, on teste la détoxification en fonction du foie, avec détoxification des produits exogènes et toxiques, ou aussi de l'homme 1450 milligrammes d'endoplasmie. C'est simple, le test avec la UGX, la monoprotéine de sinexiline. Donc, elle, surtout, il y a un cas de fluxité qui est parti, que généralement, une fois ça va. La mèche annonce à un gaucher, une fois il y a une gifle de réforme, gifle de fonctionnalité intérieure. C'est quoi? Vous injectez de la lidocaïne, anesthésique, lidocaïne, elle est traitée rapidement dans le foie. C'est tout grand, 1450. Qu'est-ce qu'elle libère? La lidocaïne, lorsqu'elle est traitée par le foie oxytocolone, elle libère le monoéthyl de sinexiline. C'est le produit de la lidocaïne traitée par le oxytocolone, 1450. Vous utilisez ce produit qu'on arrive à doser, on peut prendre d'autres, mais ça a été très pratique. Lidocaïne, anesthésie, voyez, lorsqu'il passe dans le foie, il est traité par le cytoplasme P450 en monoéthylglycine sinexiline. À part de ce test, il s'appelle MGX. Et donc, il est MGX à 15 minutes, bientôt. Le journal, la masse fonctionnelle du gris, à des. Sinon, non, pas. Il n'arrive pas à fonctionner. Il a le fonctionnement, mais cytoplasme P450 ne fonctionne pas si le foie ne fonctionne pas. C'est une des fonctions importantes du foie, la dépuration des substances exogènes. Tout ce qui est catabolisé en foie, pratiquement, passe par le cytochrome 1450. Et donc, la masse fonctionnelle, quand il y a 9 mètres de la suffisance, le traitement de la intense quantité, 9 mètres de là, ça va, il tient, il règle, il défend. Où est la maladie? Je traite les cirrhoses qui lui est primitive. D'accord, la cirrhose. Les cirrhoses, on les traite par l'acide bilique, l'acide sous désoxycholique. Une chose qui traite le traitement des cartes, il fait des, vous voyez. Une fois, il commence à respirer mieux, vous voyez.
pas. Donc, le foie, il est en train de fonctionner. Ben, ça permet de tester la fonctionnalité de tout et non plus des bâtiments. Voilà.